C'est juste trop top tier, hein. Dans tous les cas. La bataille pour la vallée d'Alterac commence. J'aime quand une game commence avec un token. T'as une découverte à deux parts. Ouais. Il y a peut-être des choses à faire d'Elise, mais comme dit, genre là, je viens déjà. Disons, j'aurais pris Elise s'il y avait rien eu de bien à côté, parce que bah, il faut bien essayer, mais. Genre, je peux pas me permettre en top 25 EU de faire des petits tests, parce que sinon, bah, moins 105 comme on vient de le vivre ici. Et le moins 105, il est très dur à encaisser. Hein. Pardon. Ah, oh, le chieur avec ça, 1-4. Je le déteste. Bon, après, dans tous les cas, j'ai un buddy qui arrive tard, donc c'est le premier fight a pas tant d'importance que ça. Est-ce qu'il y a un monde où c'est correct de faire une tirelire maintenant pour acheter ça et ça? Ou est-ce que c'est juste craqué? Ça va me rendre fort en early et c'est un timing bizarre pour les golds. Prochain tour, je pourrais vendre une 1-1 et. Je pense que c'est pas si horrible. En vrai, j'aime bien. J'ai envie des deux là. De manière à être fort, toucher mon perroquet. La tempo est trop importante dans la méta. Et ce tour, le fait de rentabiliser le gold que je perds. En fait, en réalité, c'est plus une tirelire à 3 gold. Étant donné que elle me fait aussi gagner le gold que sinon je flottais. C'est pareil que tout à l'heure, j'aime pas trop jouer T-Scolaire quand il y a également ça dans le lobby, mais d'un autre côté. C'est soit ça et up. Ce qui me semble potentiellement fine, soit T-Scolaire en tour looper, de manière à rester taverne 1, et peut-être favoriser nos chances de triple là-dessus. C'est les deux options que je vois. Dans tous les cas, il y a un truc comme ça de vendu. Ça et up. Ou alors tac et tac. Ça et up, le problème, c'est que du coup, j'aurais envie de rester taverne 2, a priori. La taverne 3 ressemble à quoi dans ce lobby? Mecha. Il me plaît bien, On va faire ça comme ça, je pense. Être jugé. Vous êtes une force irrésistible. Aïe, ça c'est nul. Après, dans tous les cas, j'ai au pire un. Non, je vais prendre ça et faire mon rôle gratuit. Regardez ça, un triple potentiel. C'est bien de l'avoir au prochain tour, lui, non? Genre, je le prends, je le garde en main. Prochain tour, je up, tac, up, et on va chercher un. Ça me semble trop cher d'aller chercher un 5. Et si je blanque mon 5, on a vu que c'était catastrophique. Donc je pense que ce que j'aime, c'est l'acheter. Et prochain tour, on. Ouais, je pense que c'est ce que j'aime bien faire.
prochain tour, on a un 4 du coup. Dommage, c'est lui que je voulais vendre. Oh putain, déjà ? Ah. On est deck ou pas ? Je crois que j'ai arrêté un sang. Que 3. Je pense que lui il a le démon. Hein. Si j'étais un fils de pute là, je lui mettrais une petite émote. Mais bon. Je respecte ma maman quand même. Pas le meilleur, mais mieux que les deux autres quoi qu'il. Mes prémonitions sont toujours justes. Cinq, c'est quand même bien. On va perdre ce fight, je pense. J'espère juste que j'ai ma carte. J'ai été gentil. J'ai pas fait d'émote, je mérite ma carte, non? En vrai, il faudrait qu'il aille mettre beaucoup de coups dedans, en plus, parce que... Il a pas de grosse créa, en soi. Oh. Attendez, maintenant, il a une grosse créa. C'est bon, j'ai au moins un truc... Hey, il prend un max là en plus. Ah ouais. Vous voyez, ça c'est la différence. Moi je me suis bien battu. À la fin, Hospice est en vie. J'ai très envie d'aller up là. Vous êtes une force irrésistible. Et d'aller rentrer lui sur mon board. Je dégage ça. Parce que 1-4, c'est pas propice à mourir et donc faire proc mon truc. Je dégage ça parce que derrière, c'est ma créature la plus faible. Donc ça, ça peut représenter des paires si j'en ai là-dessus. Et j'achète ça parce que bah c'est ce que j'ai de mieux. Hein. On fait ce placement-ci afin d'optimiser les chances de... Se ralasse sur l'hospice. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça va pas mal dépendre de quel démon elle donne. Elle, elle peut être parfois plus forte que la matrone. Ça dépend quel démon elle donne. Si elle me donne des démons de mon niveau de taverne, c'est pas mal en vrai. Là, déjà, ce qu'elle a donné, je considère que c'était plutôt un démon top tier. J'aurais dû avancer un peu le rat d'égout parce que il donne un taunt. On va avoir ça. Good. Mais ouais, le rat d'égout aurait dû être un peu plus avancé en réalité. Non, ça on fait pas ça. Vilain. Pas recommencer. Eh, on a touché deux trucs. Ça me rend heureux en vrai. En plus, on prend très peu de dégâts. Ok, ok. I'm happy. On va profiter de Jackass pour aller up. Faut juste voir qui on vend. Et est-ce qu'on veut le petit scolaire numéro 2? En vrai, on va vite jouer beaucoup de démons, donc je pense qu'on peut.
Je vais garder ma tirelire pour le prochain tour en réalité. Le seul avantage à la jouer maintenant, c'est d'aller chercher ça. Et on va faire ça, faire un roll. Je considère que ça se met même pas si bien que ça en fait comme tour. On va se contenter de faire ceci de notre tour. Les prochains tours, hop, 8 gueules de la tirelire et on commence à roll taverne 6. En espérant que ce soit suffisant. Peut-être que je vais pas up, mais en vrai, si lui me met une droite, il y a moyen que je joue contre le mort. Et du coup que je puisse me permettre de up. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil d'être méchant. Oh putain, ses prochaines targets, c'est elle. Mais qu'attend qu'il avait assassin. Waouh. Non, Bruken, c'est... Oh, c'est un héros. Hein. Il m'a détruit. Il m'a détruit. Oh, ce héros. Ok, je peux probablement... Ah, je joue pas contre le mort. Je ne joue pas contre le mort. Quoi? Je suis à 13 et je ne joue pas contre le mort parce que je suis égalité. Non! Oh fuck it, je meurs pas. Non. Oh, j'ai pas envie de dépenser des gold pour lui. On verra bien qui reste à la fin. Bah elle déjà. Pas grave, elle est présente dans notre esprit. Je mange de meilleures stats si j'achète lui, mais bon, j'achète lui quoi. Je pense que vous aurez compris que c'est un léger problème. Ah, je vais pas mourir là quand même. Oh putain, la taille de cet élémentaire. Ah, ça fait chier. Il y a un 50-50. Ok, ça va. Ça va pas souffler du bon côté. Oh, mais attends, mais il y a encore un big truc là-bas. Ok, on est allé sniper. My god. Ah ouais. Bon là on joue le Bran. Ah dis-moi pas qu'il y a un autre mort. Hein. Là je joue le Bran. Ok. Je vais prendre ça. Bon lui c'est important parce que si je l'ai plus je meurs. Voilà. Pourquoi c'est important? Ah bah voilà. Ça me rend heureux ça déjà. Good news. J'aime pas si lui il va me donner des trucs. Oh good news. Je pense que je la grille pas, dans tous les cas, je pense qu'elle risque de rien me donner. Ah mais attends, mais tu as déjà le bouclier. Mais j'en avais acheté un juste pour toi. Idiot.
Ah, on a mangé la plus petite. Me voilà abattu. Pourrait déjà mettre des héroïnes de côté. Ça risque d'être un facteur important. On va quand même donner le taunt à lui. C'est pas des mauvaises stats à manger. Niveau order, est-ce que ça a de l'importance? I don't know. L'idée dans le Vélospice, c'est que je pense pas que j'allais évidemment mourir contre le Bran, mais je pense pas qu'elle allait proc et ça se mettait mieux pour mes tours de... En vrai, ça, c'était un bon tour. Le problème, c'est que ça nous a coûté cher de faire ce bon tour. Faut juste pas que je voie la gueule de Bruken au prochain tour. Ou là, que si je vois la sale gueule de Bruken au prochain tour, ça va me rendre fou. Il est là, il est taverne 6 avec tous ses HP. Oh. À un moment... Moi, je suis taverne 6, mais pas avec tous mes HP, hein. Il y a clairement eu un manque d'HP pour arriver taverne 6. Oh là, plein de morts. Et en plus, j'ai pas tag Bruken. Il joue quoi, lui? Serviteur varié, tu m'en diras tant. Est-ce que la goule peut être bien? J'aime autant jouer héroïne, je pense. Parce qu'elle est déjà dans ma main. Qui dégage? Lui, je pense. Ça me semble même sûr. La Maexna... Si j'avais plus de temps, elle pourrait rentrer. C'est pas des mauvaises stats à manger, ça. Ah, il y a eu deux qui sont un peu décevants et j'ai encore deux rolls. Vas-y, on va aller trouver un... Oh, très décevant, ça. Pas manger ça. Berk, mauvais. On pourrait s'étouffer avec ça. C'est mieux, déjà. Je n'ai peur de rien. Sauf des... Allez, mes petits. Time to shine. Ouais, on a le top 4. Je pense que Bruken va encore... Non, mais c'est un délire. Hein. Il est taverne 6. Parce que c'est normal, t'as du tempo, tu peux te permettre d'aller up 6. Il est taverne 6 et il met des moins 22. Mais en même temps, genre Bruken, c'est broken. Quand tu touches ce qu'il a touché, à savoir... Matron est double méca tank pour le tempo. Le board qu'il a, bah tout le monde hein, en early game. Tu fais juste tes petites plantouilles et... Très très fort hein, Bruken dans une méta vengeance. Pour l'avoir beaucoup joué le coquin. Il est solide. Oh bah attends, mais lui... Lui il est nul lui. Donc lui il sort. Et du coup on fait top 2 quoi. Parce que là Bruken va défoncer. Ouais parce que lui... Je peux pas dire qu'il était en forme, mais il avait quand même donné beaucoup de tempo le tour où il nous a affronté. Je pense pas qu'il va tenir face à Bruken. S'il tient, ça peut vouloir dire que je peux tenter le top 1, ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ah, oh. Oh, la droite qu'il a mis à Bruken. Ah, mais du coup, j'aurais préféré ne pas jouer contre lui, si le choix était possible. Ok. On va pas réussir à tripler. Oh, attendez, c'est des stats dégueux, ça. Hein? J'ai froid, on va manger le croco. Bien sûr. On pourrait reprendre une héroïne, mais je pense que la sport est plus forte, là. Plus stable.
Bon, du coup, il me fait un peu peur, lui. Il a mis 15 au Brucan. J'ai peut-être sous-estimé. Il a peut-être réussi à scale, en fait. Non, ça, c'est vraiment des stats horribles, ça. Jolie taverne de merde. Non, merci. Yikes. J'ai un signalé. Ah, mais fun fact. Sur nos deux derniers rolls, il n'y avait pas de créature plus haute que la taverne 3. C'est pas que j'ai envie de me plaindre, mais disons que, à tout moment, s'il manque 2-3 de stats sur une créature et que je me fais value trade à cause de ça, on sait qui blâmer. Et je vous donne un indice, la personne à blâmer a des marshmallows dans la main. Je pense que c'est bien que lui essaye de prendre un value trade avant. Risqué vis-à-vis de ça, mais bon, je pense que c'est ma seule manière de gagner. On est content avec ce top 3 en vrai. La game, on a eu, c'est bizarre parce qu'on a eu un très bon départ. En fait, c'est le Brucan qui m'a fait paniquer un peu. En vrai, tout au long de la game, je trouve qu'on n'était pas si mal, mais le Brucan m'a... Oh mais attends, je pense qu'on est plus gros là, non? Oh et en plus, attendez, je peux faire un tour insane si je reste en vie là. Ok, il a bien hit. Ah, oh, il a mis les deux bons hits, ça fait chier de fou. Eh ouais, mais moi aussi je sais mettre des bons hits, frérot. Ok, top 2 et... Alors faut vraiment pas traîner là. Mais en l'occurrence, cet or va bien nous servir, hein, parce que là je vais faire un tour, hein. Alors, des démons. Il est temps de voir nos nouvelles recrues. Démons. Je me souviens que Vandar en a dit du... là-dedans, il y a des démons. Gros serviteur en approche. En vrai, c'est un +6/+6. Je pense que ça se prend. Inspirez profondément. Scénarius, vous sourire. Il me plaît bien, ce serviteur. Oh, c'est aussi le préféré de Drektar. Héroïne pour finir. Ah, je sais pas exactement ce qu'il va avoir comme board. Peut-être que prendre une toxie était pertinent, mais... Pas de problème. Voici votre... Ça, on a dit que c'était pas des mauvaises stats en vrai. En vrai, il y a une bonne créa. Je pense que ses stats, c'est mieux que la moyenne. Je n'ai peur de rien. Bon. On a deux très bonnes créas, une troisième. Le problème, c'est que bah, y a Murloc dans le lobby. Donc il... Ah, mais a priori, il est parti sur du mecha. Ah, fallait peut-être essayer de choper un zap, du coup. Ouais, il y a peut-être un monde où je devais aller chercher un zap. Du coup. J'ai pas fait gaffe si on a zappé un zap. Ah bah non. Zap n'était pas très bon en réalité. Aïe. C'est pas bon d'avoir attaqué first, j'aurais peut-être dû... Ah ouais, mais dans tous les cas, il avait tellement d'écho, il s'est juste fait un board full... Il joue pas vraiment mecha en fait. Il y a l'heure. On m'a menti là. Après, attendez.
problème, c'est qu'il faudrait aller se faire ce... Ouais, le fait que lui se fasse... Bon, après, il prend des coups de méca-tank avant de partir, mais... Faut prendre... Ah, c'était un bon hit, ça. Ouais, le problème, c'est que maintenant... Bah, non. Là, il y a un problème de taille, c'est que dans tous les cas, il y a la plante pour me finir. Ah, oh, ce héros est broken, hein. Parce qu'à la fin, il a ses plantes pour vous terminer. Ouais, Bon, en même temps, j'étais un peu prévisible, hein. Il savait comment me counter. Plus on prend en compte son pouvoir. C'est un héros, hein, Brucken. C'est fort en early grâce à... Genre, la flexibilité du héros, c'est trop...